Et salut les amis, c'est Supra3910. On se retrouve sur Fallout 76 pour une petite vidéo. Alors, le petit truc qu'on a sur Fallout 76, c'est que je suis dans le monde du Fallout World et j'ai augmenté un petit peu les dégâts de l'armement, enfin de mes armes sur les mobs. Parce que vous avez vu peut-être en début de vidéo, j'ai fait la différence entre les dégâts. Dans monde, la première vidéo c'est monde aventure, un monde normal avec les réglages Bethesda et mon monde avec mes réglages, et ça a rien à voir. Voilà. Oui, je me souviens. Allez me chercher quelques sites. Des bonbons ou des morts. Donc ça a rien à voir niveau dégâts. Parce qu'on va dire que Fallout 76 est bien, hein, pas d'aventure, c'est très bien. Mais niveau réglage en fait. T'as eu la monnaie de ta pièce. Mais c'est qui quoi? C'est une putain de chaise. Pas simple de récupérer du butin. Je suis pas quelqu'un d'injuste. Autant que... Il faut se contenter de ce... Voilà. Ah, Sulfury. Où tu es, ma belle? Tu saloperie. Où tu es? Voilà, je fais du 34 de dégâts. Mais parce que je suis un peu loin, normalement je suis un peu plus. Qu'est-ce que t'as à toi? Attends, j'arrive sur toi, tête de nain. Coucou! Voilà! 108 de dégâts, qu'est-ce que t'as dans la grosse là en haut? Massacrer vos calcinés, bande de saloperies! Attends, j'arrive sur toi! Laisse-moi arriver! Yippee-kai! 129 de dégâts. Ah là d'un seul coup on est quand même beaucoup plus équitable là d'un coup. Je vous fais des dégâts et vous me faites des dégâts aussi. Foiré. Donc oui non c'est vrai que quand tu regardes de beaucoup plus loin le jeu, quand tu fais la comparaison du world et du monde normal, bah tu te rends compte qu'en fait les dégâts ils sont pas équitables. C'est pas équitable. Que tu prends énormément de dégâts dans les dents. Et toi, bah, on va dire que toi, tu leur en fais pas. Tu leur en fais pas. Saillette orange, machin, chapeau de sorcière. Ah, donc, voilà. Donc, le truc en fait, c'est que tu leur fais aucun dégât. Donc, au bout d'un moment, bah, on va dire que c'est un petit peu chiant. Parce que. Ah là, là, ça y est. C'est un peu chiant parce que tu fais pas de dégâts. Et puis de sauvage maïs. Enfin, maïs sauvage plutôt. Puis de mettre. Nawak.
des citrouilles à Jack. C'est difficile de gagner sa vie par ici. Putain, comment t'as fait pour pas prendre les dégâts des machins, des meubles? Tu m'expliques? Oh, elle a pris aucun dégât, elle. Putain, c'est la faille. Non mais c'est vrai que c'est pas équitable, parce que quand tu vois que je fais 29 de dégâts en monde normal et que t'es obligé de passer en monde world pour pouvoir faire des dégâts, pour pouvoir buter des mobs, pour pouvoir t'amuser, parce qu'en fait le truc avec Fallout 76 c'est que vu que tu leur fais pas de dégâts, tu t'énerves, tu te fais péter la gueule encore et encore. Voilà ta prière. Et voilà, non, c'est vrai que au bout d'un moment, il y en a un peu marre. Allez. Bon, après c'est sûr que tout ce que tu gagnes en, dans le world, tu peux pas le transphaser. Bon, après je comprends, parce que bon, avec tous les réglages que tu peux faire, tu peux désactiver, tu désactives tout ce qui se passe, enfin quand tu as des modifications pour fabriquer, tu le désactives. C'est quoi ça? Les bottes des Samaritains. Tout ce qui est construction et tout ça, tu peux désactiver quand ça tape, c'est que ça tape pas dans ton budget. Ça, c'est bien pour les personnes qui construisent comme moi. Hein? Donc, ouais, non, c'est vrai qu'il y a énormément de choses que je trouve stupides parce que tu as. Les jours comme aujourd'hui, je me demande pourquoi je sculpte. Et vous? Oui. Comme d'habitude, merci beaucoup pour vos services. Voici vos graines, comme promis. Tarte à la citrouille. Moi je vais t'en coller une tarte, tu vois. Ça là par contre il va pas la manger. Mais tu vas la prendre dans ta gueule par contre. Je plaisante. Bien évidemment, faut le prendre avec humour. Non mais c'est vrai que moi il y a des moments je prends pas de plaisir à jouer à Fallout parce que. Parce que ben on va dire que que t'es moche toi. Non, c'est vrai que t'as plein de trucs. Il serait plus intelligent d'avoir dans le jeu, enfin augmenter déjà les dégâts des armes, parce que on va dire que quand tu te fais latter la gueule 20 fois par jour et que tu perds des fois parce que tu n'as pas le temps de t'as pas le temps de revenir chez toi pour mettre ton bric-à-brac ou tu penses pas. Tu
j'y pense plus, t'étais totalement zappé. Non mais c'est vrai que on va dire que Fallout 76 est peut-être mal réglé. J'en ai discuté avec des amis, ils m'ont dit non, c'est pas que c'est mal réglé, il faut que ça soit plus réaliste. Ouais, non, il y a réaliste et réaliste, parce que quand tu vois que toi, tu leur fais 29 de dégâts et que les mobs te pètent en 2-2, ça fait un peu mal au cul, on va dire ça comme ça. Ça fait mal au cul. Après, il y a beaucoup de choses qui est totalement illogique dans Fallout. Hein. L'exemple de Wellsprings, par exemple, l'exemple de Wellsprings, j'ai regardé parce que tu peux regarder à travers les portes en faisant une petite manœuvre avec la caméra et tout ça. Bah, tu as des endroits où tu peux y accéder, hein, où il te faut une clé, mais tu trouves pas la clé, donc c'est assez compliqué de trouver le truc. Et tu as des endroits où la porte est verrouillée, il te faut une clé, tu n'as pas la clé, mais il te faut une empreinte palmaire. Hein. Et je me suis rendu compte que écorcheur luminescent, couché, saloperie. Ah ouais, c'est là, il y a un fossile, je sais pas ce que c'est comme fossile. Mais on a, attends, c'est où que j'ai vu ça? Alors que je continue mon étude de la grotte de Hopewell, je dois avouer que la nature atypique de ce complexe funéraire Adena me fascine. Les gens de cette civilisation enterraient souvent leurs morts sous de grands tumulus et autres collines. En raison de la nature primitive des outils datant de 1000 à 200 avant Jésus-Christ, la gravure sur pierre ne faisait pas partie de leur société. Cependant, les archéologues ayant découvert cette grotte au crâne y ont trouvé des ossements et artefacts appartenant à la civilisation Adena. Serait-il possible que les dépouilles de ces gens aient été déplacées ici, bien après la disparition de leur société? Qu'une civilisation en traite une autre avec autant d'égards, c'est très inhabituel. Je vais continuer mes recherches pour en savoir plus. Ah ouais, d'accord, ouais. Je vois ça. Ok. L'île au crâne. Ah, le... Quoi?
J'avais jamais vu ça, j'étais... Oui. Ok. Tiens, pour ceux qui jouent à Fallout, il y était ce truc là-haut? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y avait quelque chose là-haut, il me semble. Après, je vais vous dire, je suis jamais monté là-haut. Donc, je peux pas dire s'il y avait un truc ou pas. Non, mais c'est vrai que Fallout est bien. Moi, j'adore Fallout. Hein. J'ai toujours aimé les Fallout. J'ai commencé avec New Vegas. Après, je me suis trouvé Fallout 3 avec les DLC, enfin Fallout 3. Après, j'ai trouvé le jeu avec Fallout 3 avec les DLC. J'ai revendu l'ancien Fallout pour prendre celui avec les DLC. J'ai joué, après mon premier jeu, quand j'ai acheté ma PS4, c'était Fallout 4. J'ai acheté les DLC juste après. Après, il y a eu l'arrivée des mods sur Fallout 4. Donc ouais, non, c'est vrai que quand tu prends du recul, parce qu'il faut prendre du recul, ben on va dire que sur Fallout 76, ils se sont un peu trompés de voix. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait normalement quand tu commences le jeu, j'avais fait une vidéo, faut que vous regardez sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo où j'avais pris le passage des débuts du jeu. Quand l'autre il sort, qu'il faut reconstruire les Appalaches et tout le bazar. Et on se dit, ouais, bon, c'est vrai que reconstruire les Appalaches, ok, faut reconstruire les Appalaches, oui. Mais le problème, c'est que on n'a pas assez de budget pour pouvoir reconstruire. Il est là, malheureusement, c'est ce qui se passe, malheureusement. Ce qui se passe, c'est que on n'a pas assez de budget et de taille de camp pour pouvoir reconstruire. Et on a des zones limitées pour construire aussi, malheureusement. Donc, je me dis que va peut-être falloir que Bethesda prenne du recul et qu'ils se disent. Il va y avoir des choses qu'il va falloir qu'ils modifient. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que prendre tarif en dégâts alors que t'as une armure assistée, que t'as tout ce qu'il faut pour combattre, t'as l'armement. Bon, les munitions, c'est un peu la dèche à faire. Parce que c'est pareil, les extracteurs, que ça soit extracteur de plomb et tout ce qui va avec. C'est limité aussi. Hein, tu peux pas. C'est. C'est limité. Hein, c'est pas plus de 14 machins. Je crois que grand maximum c'est 20 par 20 dans les extracteurs. Donc il faut se dire qu'il y a peut-être un léger petit problème là aussi. Donc ouais, il y a beaucoup de choses, alors que Fallout 76 a un potentiel de dingue, parce que Fallout 76 a un potentiel. T'as l'air mal en point, non? Tiens, voilà, fais attention. Oh bah c'est sympa. Alors tu vas me dire aussi, je suis ami avec les pillards. Est-ce que je dois m'adresser à vous maintenant ou au... Je ferai tout mon possible pour aider. Pile au moment où je commençais à m'habituer. Le paladin Ramani et vous forgerez un nouvel avenir pour nous, chevaliers errants.
Je soulèverai. Nous sommes ici pour protéger le peuple. Ils finiront par le comprendre. Ouais, bon. Les colons veulent tout reprendre. C'est quoi là-bas en haut ? Ah oui, c'est là où il y a les... Oui, ça y est, c'est là où il y a les nouveaux aigles... Les aigles sanglants, maintenant. Ils ont fait une espèce de dôme pour se foutre sur la gueule. Tu veux me dire, il n'y a pas assez d'endroits pour se foutre sur la tronche. Par contre, c'est vrai que les aigles sanglants, quand ils sont venus, ceux-là, quand ils sont arrivés avec les Appalaches et tout le bordel, qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes couilles. Ça, c'est un truc de fou furieux. Ah, j'en connais, il y a des bestioles qui sont reloues, ça, l'écorcheur, la sulfurie, tiens quoi, t'as les yogwai, les ours, t'as beaucoup de bestioles qui sont pas de couilles. Mais en être humain, entre les pillards, je compare pillards entre Fallout 4 et... Hein, parce que... Et les sulfuries de Fallout 67, ouais. Ils sont casse-couilles, moi je vous le dis. Non, mais c'est vrai que. Maintenant, avec mes réglages, c'est vrai que. Je vais pas être énormément. Sur le. Pardon, sur le monde aventure. Parce que bon, pour le moment, j'ai mon world qui est là et j'en profite. Hein, pour faire mes bases, pour crafter, pour. Pour m'amuser, qu'éviter d'aller me prendre la tête avec le monde aventure et se prendre la gueule avec des gens qui n'en valent pas la peine. Parce que le truc, c'est que t'as des gens. Mais seulement, vous venez m'aider ? J'ai hâte de regarder ça de plus près. Et voilà, connaissance interdite, ça me fait des capsules, c'est génial. Donc ouais non c'est vrai que il y a plein de choses à modifier sur Fallout et il va falloir que Bethesda ouvre les yeux à un moment ou à un autre parce qu'ils se contredisent, c'est ça le problème, c'est qu'ils se contredisent parce qu'au début du jeu on te dit qu'il faut reconstruire les Appalaches mais une fois que t'as mis 6 fondations, une vingtaine de murs, des toits, un peu de décoration, quelques ampoules, deux machines de vente, des bureaux, des machins, des conneries, ton budget, des extracteurs d'eau pour avoir à boire, ben, on va dire que ton budget est un petit peu plein. Donc, ouais. Puis même là, hein, là, le budget est beaucoup plus grand. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. D'ailleurs, on va y aller voir. Parce que moi, j'ai fait une petite déco. J'ai fait une petite déco à Wall Springs. Oui, Wall Springs, là vous allez voir pour Halloween. D'ailleurs, je les mettrai sur sur mon Twitter, sur mon Twitter Supra33910. Allez-y, hein. Bon, je râle beaucoup sur Twitter, mais bon, c'est pas méchant. J'ai toujours, de toute façon, je vais vous dire quelque chose. J'ai toujours dit ce que je pensais. Donc, mieux vaut dire avoir quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui évite de te critiquer derrière. Hein. Tu vas venir me faire chier, je vais te dire tu me casses les couilles, j'aime pas ta gueule. Point barre. Tu joues dans ton côté, je joue du mien, tu peux me faire chier. Point. Non, mais moi je suis cash. Tiens à vous le dire. Ouais, non, c'est qu'il y a énormément de choses qu'il va falloir que Bethesda modifie. Voilà. Donc là, par exemple, regardez. On ouvre les pop-portes. On ferme les pop-portes. On a un petit machin, un petit chemin glock, déco. Bon, pour le moment, je laisse comme ça. Parce que pour le moment, voilà. Puis en plus, dans le noir, c'est parfait.
Et normalement, je devrais avoir... Ah, normalement, j'ai un truc. Normalement, j'ai un petit truc par là. Ça va être en quoi, ça? Ça va être dans ce truc, je m'en rappelle plus. C'est pas dans la vitrine. On va le mettre de ce côté là. Pas ce truc. Oi, hop. Dix petites toilettes piégées. Non, mais c'est vrai qu'il y a, énormément de choses qu'il y a et qui va y avoir à modifier. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. A très bientôt pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.